Salut à tous, la clé c'est la vie, épisode 22. Après l'épisode 21 que j'ai consacré à la commande DFC, qui est une espèce de DF un peu complété, il y a une personne qui m'avait demandé, un de mes abonnés qui m'avait dit, est-ce que tu connais la commande SL? Je ne sais pas, je me suis dit peut-être un truc avec NS. Il m'a dit oui, c'est le cas. Et ça m'a fait penser à un projet dont j'ai entendu parler par accident, qui s'appelle EXA. Donc voilà, le site officiel. Et c'est très net. EXA is a modern replacement for LS. LS, ça permet de lister les fichiers dans un répertoire. C'est en gros l'équivalent de la commande DIR ou DIR sous MS-DOS. Utiliser couleurs pour informer par défaut vous permet de différencier différents types de fichiers, savoir si vous êtes le propriétaire ou pas, ou si vous faites partie du groupe de propriétaires ou pas. Bref, c'est en quelque sorte les max de LS. Alors, vous avez le GitHub qui est quand même assez actif, même si ça fait à peu près 3 semaines qu'il n'y a pas une modification au niveau du Git. Mais voilà ce que ça donne en gros. EXA tout court, EXA moins L, et là, le, comment on pourrait dire, le full monty. Donc, si on va sur le GitHub, je vous montre quelques secondes du GitHub, il y a toutes les commandes possibles. Les commandes d'affichage, les commandes de filtre, les commandes, les options longues. Vous voyez quand même, il y a de quoi faire. Donc, je vais vous montrer 2-3 trucs avec EXA. Voilà. Donc, si je fais un simple LS, oui, par défaut en couleur, et en colonne, si je fais un ls-alh, j'ai l'information classique qui possède la taille et compagnie. Bref. Voilà, avec tous les petits détails techniques. Je vous renvoie au manls pour plus d'informations. Mais si je fais la même commande, vous faites CTRL-S, ça sera aussi bien, avec EXA, si je mets juste EXA, il va me répondre ça. EXA moins L, j'aurai en gros l'équivalent du ALH, à peu de choses près. Et si je fais le full monty qui était présenté dans la page officielle, donc si je fais EXA moins B, G, H, H, L, I, S, hop, ça mince, je vais faire, ah oui, c'est S majuscule, autant pour moi, voilà ce que j'ai. J'ai l'inode, donc l'emplacement sur le disque de stockage où se trouve le fichier ou le répertoire, les permissions, la taille, les liens, le propriétaire, l'utilisateur, la modification et le nom. Ouais. C'est quoi l'option pour avoir les fichiers cachés? Grid long request across. Voilà, donc c'est moins A. Et donc si je rajoute moins A à cette belle commande, voilà ce que ça donne. Boum! Et là, on a tous les répertoires cachés qui commencent par un point. Ou les fichiers cachés. Vous avez vu quand même, ça a de la gueule. Et je vais aller, par exemple, dans mon répertoire de compilation de Firefox, de Mozilla Firefox. Si je fais EXA, voilà, il me dit ça. Voyons. Grid, one line. Même si je demande la totale qu'auparavant, sauf moins A parce que je n'ai pas besoin. Donc il me dit que par exemple le fichier old configure pèse 609 kilooctets, que j'ai un client, le client, fichier client.py pèse 6 kilooctets, et ainsi de suite. C'est pas mal quand même, mine de rien. Ça vous permet comme ça d'avoir, bon, là j'ai pris la totale, mais si je me si je me contente d'un EXA moins L, bon, j'ai déjà tout ça quoi. Je sais par exemple que setting.gradle pèse 2 kilooctets 4. Voyons, si je mets en recurse, recurse into directory, si je mets moins LR, il me dit quoi? Oh d'accord, il m'affiche à total. Ouais. Cross grid long. Il y a quand même pas mal d'options. On peut afficher avec les préfixes binaires ou pas. Si c'est un dépôt Git, on peut avoir le statut du dépôt Git.
et ainsi de suite. Donc c'est écrit en Rust, le langage qui est utilisé par la Fondation Mozilla pour développer Firefox 57 qui sera soit sorti ou sortira au moment où j'enregistre la vidéo. Ça dépend si vous regardez la vidéo avant ou après le 17 novembre 2017. Et je peux vous dire que Rust est un langage très puissant et ça permet de faire pas mal d'économies au niveau ressources et compagnie. Donc voilà, je voulais vous présenter rapidement la commande EXA qui, vous pouvez constater, est un petit bijou qui permet d'avoir une plus jolie présentation. Je vais, par exemple, vais faire un git clone. Voilà. Je vais voir ce que ça me donne avec, par exemple, le clone du projet Anarchy Linux. C'est en gros, EXA, c'est un peu comme ZSH par rapport à Bash, c'est une montée en puissance. Et là, je vais voir ce qu'il me dit par rapport au Git, parce que là, je ne l'ai pas encore testé, donc ça sera la grande découverte. Je regarde juste les options. Alors, voyons. Filtering. Ouais. Donc, il n'y a pas grand-chose. Ouais, donc là, on va voir ce qu'il va me dire. Si je vais dans Anarchy et si je fais un EXA. EXA-L. Donc on a encore la même chose. Je pensais quand même qu'il... Ah mais d'accord. EXA-L minus minus git. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Non, apparemment pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ben, je vais prendre la totale, on va voir ce qu'il va nous dire. Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ben, voilà, juste que, par exemple, le fichier Anarchy Creator qui permet de créer ISO pèse 20 kilooctets, l'installateur n'en pèse que 2,2 et ainsi de suite. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même un outil très puissant. J'espère que cette courte vidéo de découverte vous a plu. Je vous renvoie à la page GitHub et à la page du projet qui sont des mines d'or pour tout ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !